Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr. Chewie, Mr. Wookie pour Twitch. Dr. Chewie pour vous servir. J'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va. Je me suis réveillé il y a une heure à peu près. Il est 3h30 du mat, enfin 3h du mat, donc bon, voilà quoi. On part en live. donc on est sur le 98e épisode de Stormrunner Modé. Donc ben, on va se snorrunner, hein. donc bah voilà quoi. Let's go. Alors déjà, la loupiote, les décos. Donc on va chercher le ciment. Bon, je m'étais téléporté exprès dans ce garage, enfin dans ce camion pour à continuer la map, hein, tout simplement. J'ai mis avec le mode code 4, hein. Comme je dis, le mode crotte-crotte. Et on roule dans la crotte. Bon, c'est vrai que prendre les remorques classiques avec les BM, c'est un peu risqué parce que peu importe lesquelles, elles sautent dans tous les sens, donc j'en sais rien, mais je pense que j'ai dû installer un mode de remorque qui étend automatiquement les... Comment ça s'appelle, les portées pour les remorques, parce que il y a plusieurs remorques que je peux accrocher. Comment dire, que je peux accrocher et qu'ils ont une grande flèche. J'ai eu même l'impression que la flèche là, elle est plus grande que d'habitude, cette remorque. Bon, c'est peut-être une impression, hein. Peut-être que j'ai tellement l'habitude de savoir qu'un camion avec un châssis, un bac de 2 plus une grue, ça déborde pas mal à l'arrière et ça empêche de prendre des remorques. Ça doit être une habitude. Quoi ça? Ah, du 109, ouais. J'allais dire, j'ai encore oublié une quête. Non, c'est bon. Un contrat. Ah, j'arrive pas là, à dire un contrat, hein. Chaque fois, je me plante et je dis une quête. Alors, 1, 2... 4. Ah oui, une souche. Ouais, il faut que je reprenne. Ah, les souches, elles sont un peu. Hein? On va dire ça pour être poli, quoi. Voilà. Ah,
pas tout à fait là que je voulais passer. Ouais bon, tant pis, je vais passer par là. Hein. Ça risque peut-être un peu d'être casse-pied avec la remorque là. Ça va, quand on se concentre, ça passe. Et j'ai pas perdu de Kaamelott. Alors, maison 1. Un petit peu de mini détour, hein, parce que. Maison 4. Hop, et quelle. Voilà. Alors, j'ai plus de trucs de réparation, de construction et tout ça à faire ici. Donc on va aller supprimer toutes les remorques. Enfin, on vérifie d'abord. Okay. J'ai pas des remorques quelconques à livrer. Il faut le vibrateur sismique pour un manque de réparation, ok. Non, c'est bon. Donc
Ah, bonne question. Ben, tu verras quand ça arrivera à 9, à quand ça arrivera à 0, mon cher Deathflyer. Comment ça va depuis tout à l'heure? C'est un truc qui peut qui sert qui te sert aussi d'ailleurs, le timer là. Ah, bah, t'auras la réponse dans la prochaine fois alors. Bon, par contre, j'ai des lags, mais là, c'est horrible. Oui, bah comment ça se fait que t'es réveillé à l'heure là alors? Ouais, ce que j'ai. Ah, d'accord. 2, 3, 14 x 2. Pas ça. Et t'as eu envie de 3, 14 x 2. Puis le seul truc que tu trouves besoin de faire, c'est de venir voir ce qui se passe sur mon live. Hop, on va déjà en faire le plein. Ah, et on supprime. D'ailleurs, la remorque là, j'ai bien envie de la jarter, mais bon. Alors, ensuite. Alors là, il y a le bleu, je crois. Non, c'est le rose. Oui, bah oui, t'es mon modo quand même, mais bon, c'est pas pour venir dès que t'as 2 minutes de réveil, voyons. Remorque plateau. Bon, bah c'est bon, y a plus de remorque ici. Là, y a le Land Rover. Bon bah la faille c'est bon. Carrière. Un mode de réparation qui traîne là, mais j'ai pas de camion à porter, si j'y suis là. Mais je crois que la remorque, elle va servir pour une quête.
Alors, sinon, là, il n'y a plus de quête. Je peux réparer en haut, enfin, le... Ah, il faut faire la triangulation. Oh, fait yes, je déteste ça. Bon, bah, on va aller prendre le camion avec la triangulation. Par contre, je sais plus où est-ce qu'il est. Je crois qu'il traîne encore à... Comment ça s'appelle ? À la terrain inondé. Non ? C'est bien le vert que je lui ai mis la triangulation, non ? Bon, on va les tester un par un. C'est pas le orange. C'est pas le rose. C'est pas le bleu. Donc c'est... Il n'est pas à la faille. Carrière. À mon avis, ça doit être lui. C'est peut-être le moment de faire les triangulations, hein, comme c'est pas vraiment passionnant. Ah, attends, c'est la livraison que j'ai faite tout à l'heure. La remorque est buggée, je pense. Donc, on va faire toutes les merdes de triangulation là. Comment savoir c'est où les points de triangulation là? Aucune indication sur la map. Jusqu'il y en a un à 400 mètres de moi. Et un autre à 658. Mais où? Bon oh ben, on va faire comme d'hab. Hein. Hop, internet. Hein. Recherche, géolocalisation, géotriangulation. Recherche, géotriangulation. Imir. Hop, voilà. Donc 45 secondes et tu auras ta réponse, Death, si t'es toujours là. Alors, il y en a un qui est tout proche de la... Enfin, tout proche. Ok. Voilà. Bon, il n'a pas tout à fait synchronisé le chronomètre, donc il va dégager. Un mystère sauvage apparaît.
Donc il y a le truc qui est en marche. Essayer de régler ça. Alors le timer déjà il vire. C'est là. Le timer. Non, pas terrible là. Que je décale le fantôme. Hop. Quand même. Là. Et le timer. Voilà. Hop. Hop, ça, ça va là. Faire les points pour les recherches de géolocalisation. Donc, alors la carrière. Donc le premier point, il est à peu près ici. Voilà. Donc, ben, on va y aller. On va tout faire comme ça. Hop, on va passer par là-bas.
picture of walking in your shoes. Ah, pourquoi du virage que j'ai fait, qu'il m'a fait là d'un coup le camion. Troisième point, faudra que je balance un coup de radar. Bon, ça va servir à rien, mais c'est pour éclaircir la map. J'aime pas trop quand il y a des gros morceaux de noir d'ombre qui restent. Les espèces de routes là. Ah, les routes. C'est vraiment dingue collé par terre quoi. Ah oh, bah il y a une amélioration. Ah, tiens, ça. Hein, je vais encore un peu modifier le truc là. Nickel. Alors l'amélioration, bon, c'est bon. Elle est pas très loin l'amélioration, hein. Carrément en dessous de moi. Bien coincé là, hein. Mais va-t-on quand même réussir à sortir. Hop. Voilà.
mais elles sont casse-burnes les souches là. Pas de souche pourtant là. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. One night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. One night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your plate, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let it lead you on. You'll be saying Bordel. No, no, then saying yes, yes, yes. Cause you must sing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Il y avait un chemin plus facile là, bah d'accord. Bon bref, on s'en fout. Vous faites de l'essence pour rien, mais bon. Il y a encore une zone d'ombre là, mais il n'y a rien, ça. Mais bon, si on doit y aller, bon, on enlèvera, c'est tout. Non, mais purée, les souches de mort. We'll be right back.
Tu t'écris, il y a l'appareil. Par contre, il est pas bien là. Il faut que je modifie ça. Or. Voilà. Mais bon, maintenant, c'est le chronomètre qui est plus droit. Voilà. Alors, le deuxième point, il est où? D'accord, le deuxième point, il est à Perpète les Zouilles. Il est ici. Selon la map, il est attends, je vais tourner la map dans le sens. Là. Ça, ça doit être comme ça normalement. Ah, j'étais un peu trop loin. Légèrement est à peu près dans les coins là. Voilà, c'est parti pour l'autre. C'est étonnant, Pando, il a quasiment rien demandé en bouffe ou en jeu aujourd'hui. Enfin, en bouffe.
On va lui donner un pâté à la tête. Là. J'ai cru que je partais dans le décor là. Des souches partout ici. C'est dommage, comme justement on peut pas, il n'y a pas de suspension active pour lui, ben il cogne. Cogne et il s'accroche pour un oui pour un non avec les suspensions actives, il n'y a plus de problème quoi. À mon avis, où il y en a, mais à mon avis c'est des noms des cassables. Je pense que je mettrai quand même les suspensions actives parce que. Mais est-ce qu'il va être aussi stop qu'il est actuellement avec les suspensions actives? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que là, franchement, vu comment que je le maltraite, le bordel, il ne se retourne pas. Jusqu'à maintenant, je crois que j'en ai retourné aucun des BM17. Level up pour le middleman, niveau 16, GG. Oui, le bip, c'est le jeu. Hein. C'est le vibrateur sismique qui me prévient qu'on approche de la zone. Il y a lui qui est là, il va me servir, je pense, pour faire le plein de celui-là. Mais de toute manière, il faudra que je revienne avec un autre camion, parce que j'ai une carrière surdimensionnée à faire, et j'ai pas de camion avec une remorque de 4, là. Enfin, de 4 ou plus. Alors, recherche géologique. Contrat.
alors c'est scanner le point de triangulation. Ah, je l'ai pas. Je dis que ça doit être là, je pense. Ouais, c'est ça. Donc c'est... Ah, c'est à Zimnenorsk. Ok. Donc on va amener le camion à Zimnenorsk, je pense. Et sinon, l'autre quête, c'est laquelle? Réparer la plateforme pétrolière. Ouvrez au site de forage. Cargaison surdimensionnée. Ouais, pas le choix, il me faudra un camion ici. Hein. Bon, j'en ai un normalement. Ah non, j'ai plus du tout de camion. Bon, bah j'ai le vert, hein, c'est lui qui va faire le taf. Hein. Il va repartir au magasin de remorque. Celui-là, c'est la sortie de terrain inondé. La sortie. Attends que je le superpose. Ça vient d'ici. Là, j'ai aucun camion sur place. Là, j'en ai un, mais il n'a pas la remorque adéquate. For my music, wanna be left alone, and Pollock will excuse me. For one of my cake, and need a two. When I both face, they make me a balloon. When my ego with la faille, est-ce que j'ai du camion qui pourrait aller? Avec une remorque. Non, il n'y a pas de remorque. Ah, si, il y a une remorque, mais ils sont là. Mais ça va pas, de toute manière, c'est du 4. Ouais, donc j'ai pas le choix, hein. Ah, ok, bah ça marche. Bah merci d'être passé en vitesse, DG, hein. Puis bah bon travail, hein, pour toi. Oh bah midi 30 à mon avis je serai au pieu, hein. C'est pas une bonne idée de passer là-haut, hein. Tant pis, on va faire un détour, mais bon. Ce sera moins risqué. Un ectoplasma, un spectrum sauvage apparaît, pardon. Des tours que je dois faire juste pour aller chercher un truc ici, hein. Mais bon.
nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Ça, c'est un Zimney North, donc ça ne sert à rien de le faire tout de suite, la quête-là. On va faire celle-là. Oh, bon, en plus, je dois aller scanner sur place, pas comme ça. Je pensais qu'il fallait aller scanner ailleurs, je pense. Ah bah, ça, après avoir livré le truc. Le vieux site de forage, il est où? Oh bah, il est sur mon chemin en plus. Faudra voir ça. Si je peux pas des fois faire les deux en même temps. Bah, dans un, de toute manière, je peux faire les deux en même temps parce qu'il faut aller chercher une remorque, repartir chercher une cargaison surdimensionnée, la livrer au site de forage. Et scanner dans les alentours du vieux site donc. Bien ça hein, qu'il faut hein. Que je fasse de conneries hein. Ouais, cargaison surdimensionnée. Biocide de forage et il faut scanner dans les coins là. Ok, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 4 on va dire. Là, je m'éloigne ou je me rapproche? M'éloigne. Oui, j'aurais pu faire dans l'autre sens aussi, d'abord aller chercher ma remorque et la cargaison. Et une fois arrivé de se passer avec la cargaison, sismiquer le sol et puis livrer après. Dans les deux cas, ça aurait pas été dérangeant que je fasse dans un autre sens. Mais bon, comme je passais juste à côté du site, bah, autant le faire en premier quoi. Bon, au magasin de remorque, faudra d'abord que j'achète une remorque pour faire le plein. Une simple remorque à grume ou une connerie comme ça, hein, ça peut être suffisante. Hein. Ça peut être suffisant. Oh bah j'ai même pas besoin, j'ai une station essence là. Une 4, j'ai pas d'une 6.
2. Ouais, il y a bien celle-là. Ça, c'est une 3, il me semble. Non, c'est une 4. Okay. Je préfère ça, au moins il y a des rambardes. T'as vu comment que je maltraite le Camtor. Quel déjà celui-là? Ah oui, his name is Love. Ouais, c'est casse bien les souches hein, ici. Hein. Je pense, jusqu'à maintenant, je crois que c'est à la map qui en a le plus, des souches qui traînent à droite à gauche. Ah, je m'en lasse pas de la chanson là. Et à chaque fois ça me fait penser à la série Mercredi. Éviter de prendre trop de raccourcis au travers des routes parce que j'ai envie de m'accrocher à une souche et si j'ai aucun arbre pour m'en sortir, bah ça va pas le faire non plus. Enfin si, peut-être en journée, bon c'est pas trop un problème. Mais de nuit je les vois mal quoi, les souches. Enfin je les vois même pas tout simplement. Parce que par rapport à la vitesse du camion, au défilement de la cam, enfin de la caméra que je fais, les phares assez clairs, j'ai du mal à voir à voir comme il faut les décors, les petits décors on va dire. Bon au moins il va assez vite le camion là, c'est ça encore. Par contre les souches là je les ai vues hein, celles-là. Their bodies.
Il a eu un léger problème ce tracteur, non? Site de forage. Fais juste la livraison là et j'arrête le rec YouTube pour le relancer. Ça, ça fait déjà une heure. Vachement assez épaisse avec du poids un peu à l'arrière, c'est limite pour lui. Un Liputi sauvage apparaît, vous pouvez le voir. Pourquoi j'aime bien les rambardes. si j'aurais pris la plate, ben la cargaison aurait été par terre.
ça va, comme la remorque est assez proche du camion, je vois s'il y a les sangles qui foutent le camp ou pas. Je sais pas comment j'ai fait là, pour éviter que ça se casse la binette. Peut-être grâce au camion qui est vachement stable, donc il donne une petite partie de sa stabilité à la remorque. Je ne vois pas d'autre solution vu comment elle est partie la remorque. Réparer la plateforme pétrolière. Nickel. Alors, bon, on va ramener les machins là. Je peux pas la supprimer la remorque hein. Donc à mon avis c'est bel et bien une remorque de quête. Ah ça m'en crotte hein. Je peux tant que je l'ai la remorque là, je peux pas virer ce foutu camion là. Au final on laisse ça hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Ok, il y a pas mal de camions. Mais pour le moment, je ne peux toujours pas faire le garage à Zimnenorsk. Ouais, je pourrais le faire. J'ai pas encore scouté Zimnenorsk, du moins. J'ai ramené quand même le camion, hein, je pense. Ah tiens, il y a une quête qui vient de se déverrouiller là. Non mais sérieux. Un contrat. Le trajet. We'll be right back.
En fait, ça serait peut-être mieux, non? Attends. Non, je change pas. Voilà. Bien, mais bien. Bon, eh bien, je vais stopper là momentanément. Et relancer quasiment aussitôt après. Enfin, je vais d'abord faire un tour à Jacob et à un café. Donc, bah voilà une bonne chose de faite. Alors, il est l'heure de se dire au revoir. C'était Dr. Chewy et Mr. Wookie ainsi que Wookie 88. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, enfin vous connaissez. Hein, ou à me rejoindre sur Discord et Twitch. Les liens sont dans la description. Sur ce, le Dr. Chewy vous dit à ciao babouille. Bisous.